Préfecture du département du Pas-de-Calais en région Hauts-de-France. Ses habitants sont appelés les Arrajois. Arras est, avec ses 42 600 habitants, la deuxième ville la plus peuplée du département après Calais. Historiquement, Arras était, sous l'Ancien Régime, la capitale de la province de l'Artois, un grand centre religieux et une cité prospère connue pour ses fabrications drapières. Ville universitaire, Arras se caractérise aujourd'hui par sa grande jeunesse. En effet, 33% des habitants de l'agglomération ont moins de 25 ans. Fils de bourgeois ou fils d'apôtre, tous les enfants sont comme les vôtres. Fils de César ou fils de rien, tous les enfants sont comme le tien. Le même sourire, les mêmes larmes, les mêmes alarmes, les mêmes soupirs. Mes fils de César ou fils de rien, tous les enfants sont comme le tien. Ce n'est qu'après, longtemps après. Fils de sultan ou fils de fakir, tous les enfants ont un empire. Sous voûte d'or, sous toit de chaux, tous les enfants ont un royaume. Un coin de vague, une fleur qui tremble, un oiseau mort qui leur ressemble. Fils de sultan ou fils de fakir, tous les enfants ont un empire. Avec 225 édifices protégés au titre des monuments historiques, Arras est la ville avec la densité de monuments la plus importante de France. Elle est également connue pour être le berceau de la culture littéraire picarde, avec ses trouvères comme Jean Baudel ou Adam de la Halle. Ce qui en fait, pour certains, la capitale littéraire de la Picardie, ou encore la clé de voûte de l'identité picarde.
Arras est réputée pour ses deux magnifiques places baroques qui forment un ensemble architectural unique en Europe, son beffroi et sa citadelle. Au Moyen Âge, le beffroi avait des fonctions militaires. La cloche sonnait l'ouverture et la fermeture des portes de la ville et le bâtiment servait de prison. De nos jours, il fait partie du patrimoine d'Arras. Il est classé monument historique depuis 1840 et depuis 2005 fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO en étant compris dans les beffrois de Belgique et de France. Un document de 1463 relate que le beffroi a été construit à l'emplacement de la halle au cuir, proche de l'emplacement des étaux de la corporation des bouchers. Cette année-là, la construction du beffroi avait déjà commencé. L'hôtel de ville est ancien et menace de tomber en ruine. Il est décidé d'en construire un nouveau en même temps, accolé au beffroi. Alors que les travaux ont lieu au niveau de la troisième galerie, Jacques Le Caron, un maître maçon venu de Marchiennes, propose d'achever l'édifice avec un octogone de 12 pieds de haut et, sur le faîtage, une couronne surmontée d'un lion aux armes de la ville. Le beffroi est terminé en 1554. Il incarne l'aboutissement du style flamboyant dans les beffrois, au même titre que le beffroi d'Audenarde et de Bruxelles. En 1791, en pleine Révolution française, la couronne au sommet est recouverte d'une feuille de plomb afin d'éviter que les révolutionnaires ne l'enlèvent. En 1833, le beffroi est démoli jusqu'au-dessus des abat-jour de la partie inférieure. En effet, le bâtiment, abandonné, n'avait pas été réparé depuis longtemps. Les boulets de canon durant le siège d'Arras 1640 avaient par ailleurs dégradé ses pierres. Une reconstruction est décidée qui commence le 1er mai 1839. La première pierre est bénie par Monseigneur de la Tour d'Auvergne et posée par Maurice Collin, le maire d'Arras. Ce dernier pose également la dernière pierre le 18 juin de l'année suivante. Pendant la Première Guerre mondiale, le beffroi est détruit le 21 octobre 1914 par l'artillerie allemande après 69 tirs d'obus. Lors de la reconstruction, le beffroi est de nouveau érigé à l'identique, mais avec une structure en béton armé pour des raisons de coût. Les plans sont dus à l'architecte en chef des monuments historiques, Pierre Paquet. Les travaux ont lieu en même temps que l'hôtel de ville d'Arras. Du haut de ses 75 mètres, le beffroi domine le paysage arrageois. Visible à plusieurs kilomètres à la ronde, il est aujourd'hui encore le plus haut édifice de la ville. Il est classé monument historique en 1840 sur la première liste créée par Prosper Mérimée. Au cœur de la citadelle, sur la place d'Armes, 1500 soldats pouvaient y résider. Les casernes sont des modules symétriques type à la Vauban qui peuvent loger chacun 4 soldats. L'arsenal abritait le logement du gouverneur, mais pas seulement. Les colonnes en forme de canon et les boulets rappellent que c'était ici le lieu de stockage des armes, des munitions et des outils. La chapelle Saint-Louis rappelle, avec ses pignons à volutes, l'architecture typique des maisons des places.
fermé pour restauration jusqu'en septembre 2019, c'est le plus ancien édifice d'Arras. Mon ami qui croit que tout doit changer, crois-tu le droit de t'en aller tuer les bourgeois? Si tu crois encore qu'il nous faut descendre dans le creux des rues pour monter au pouvoir, si tu crois encore au rêve du grand soir et que nos ennemis... Le mur des fusillés. D'août 1941 à juillet 1944, 218 personnes ont été fusillées dans les fossés de la citadelle d'Arras. De nationalité française pour la plupart, mais aussi belge, hongroise, italienne, polonaise, portugaise, soviétique, tchécoslovaque ou yougoslave. Le plus jeune des fusillés était âgé de 16 ans, le plus âgé de 69 ans. Sur le mur des fusillés ont été apposées 218 plaques, sur chacune desquelles est inscrit le nom d'une victime suppliciée. En 2008, l'État annonce la dissolution du 601e RCR et la citadelle est rendue à la vie civile. Quelle belle reconversion! La citadelle d'Arras est passée de place forte à poumon vert. L'ancien site militaire est devenu un quartier de la ville à part entière, où l'on vient se balader en famille et entre amis, vélo, marche, running, activités de loisirs. La citadelle accueille un pôle loisirs, un pôle logement et un pôle économique.